Excellence, chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette séance de clôture des travaux de notre forum des magistrats. Notre institution a toujours attaché une très grande importance au dialogue avec les juridictions nationales. Ce dialogue qui exprime la coopération prévue par les traités à travers la procédure préjudicielle a été essentielle dans l'évolution d'une Europe des marchés vers l'Europe des citoyens, qui constitue le thème de notre séance de clôture. Afin de souligner l'importance de notre coopération judiciaire dans la construction d'une union de droit, nous avons voulu faire coïncider les célébrations du 60e anniversaire de la signature des traités de Rome avec l'organisation, au sein de notre institution, d'un forum accueillant les plus hauts représentants des pouvoirs judiciaires des États membres. Pendant nos sessions de travail, nous avons exploré ensemble des pistes pour approfondir notre coopération au service d'une justice de qualité. Et pour tous les participants à ce forum, je dis, on a pris bonne note de toutes les décisions, de toutes les idées plutôt, émises en ce jour, qui seront traduites dans des décisions concrètes pour faire fonctionner ce réseau de juridictions européennes constituées des juridictions nationales et de la Cour de justice de l'Union européenne. Par l'adoption d'une déclaration qui a été placée sur le site Internet de notre institution aujourd'hui et que vous pouvez voir ici à l'écran, lire est peut-être trop dire parce que le caractère est un peu petit, mais ça vous sera remis sur papier. La Cour de justice de l'Union européenne a voulu mettre en valeur de manière solennelle la coopération en réseau avec les juridictions nationales qui a contribué à l'émergence d'un véritable espace juridique européen. L'anniversaire que nous fêtons aujourd'hui offre l'occasion de dresser un bilan de l'évolution qu'a connue l'Union européenne depuis la signature des traités de Rome, ce que quatre orateurs se chargeront de faire. J'exposerai pour ma part l'apport de la Cour de justice à la construction européenne. Avant de céder la parole au président du tribunal de l'Union européenne, M. Mark Jaeger, qui présentera la contribution spécifique du tribunal à cette construction. Ensuite, M. Paolo Grossi, président de la Cour constitutionnelle d'un État membre fondateur, l'Italie, et M. Rimvidas Norkus, président de la Cour suprême d'un État membre adhérent, la Lituanie, exposeront leurs points de vue respectifs sur l'évolution d'une Europe des marchés vers une Europe des citoyens. Samedi dernier, le 25 mars 2017, cela a fait exactement 60 ans que les traités de Rome ont été signés. Ces traités ont constitué un grand pas en avant dans le processus d'intégration européenne. Alors que le traité CK, comme son nom l'indique, ne portait que sur le charbon et l'acier, le traité CEE visait quant à lui à créer un marché commun. Le traité CE était donc orienté vers le marché et avait pour objectif la création d'une communauté économique. Pendant les premiers 30 ans, rien n'a fondamentalement changé. Ce n'est qu'en 1986, avec l'adoption de l'acte unique européen, que les traités de Rome ont connu leur première modification de fond. Puis, les traités modificatifs se sont succédés rapidement. Maastricht, 1992. Amsterdam, 1997. Nice, 2001. Et Lisbonne, 2007. Ainsi, le processus d'intégration européenne a connu non seulement une expansion territoriale majeure, mais aussi, ces 30 dernières années, un approfondissement important
grâce au traité modificatif précité. Tout d'abord, sur le plan institutionnel et plus particulièrement dans le processus législatif, le Parlement européen, élu au suffrage direct et universel, a évolué jusqu'à avoir, à quelques exceptions près, le même poids que le Conseil de l'Union européenne, composé des représentants des États membres. Par ailleurs, alors que la règle était, en réalité, en 1957, l'unanimité pour la prise de décision au sein du Conseil, désormais, presque tous les actes législatifs de l'Union peuvent être pris à la majorité qualifiée. Ensuite, et plus important encore, sur le plan matériel, l'approfondissement a été spectaculaire. Un marché unique, c'est-à-dire un espace sans frontières intérieures, dans lequel les personnes, toutes les personnes, les marchandises, les services et les capitaux circulent librement, a été créé. La citoyenneté de l'Union et une monnaie unique, l'euro, ont été introduites. L'Union est devenue compétente dans de nombreux nouveaux domaines, tels que l'environnement, la politique sociale, l'asile et l'immigration. La reconnaissance mutuelle et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et pénale sont au cœur de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice. Par l'adoption de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les citoyens de l'Union voient leurs droits fondamentaux protégés au niveau de l'Union et au niveau des États membres lorsque ceux-ci mettent en œuvre le droit de l'Union. Le principe de non-discrimination, fondé quasi exclusivement sur la nationalité dans le traité CEE, offre aujourd'hui, par l'effet de cette charte, une protection contre toute forme de discrimination, comme le démontrent les arrêts du 14 mars 2017 relatifs au port du voile islamique. Sur le plan externe, l'Union agit à travers une politique étrangère et de sécurité commune, une politique commerciale commune, la coopération au développement et une politique humanitaire. Ces trois dernières décennies, l'Union européenne a ainsi fait un bond de géant. Mais quel a été le rôle de la Cour dans cette évolution, dans tout cela, si vous voulez? Comme vous le savez, l'Union européenne est une union de droit. La Cour l'a proclamé pour la première fois, il y a un peu plus de 30 ans, à propos de la communauté de l'époque, dans son arrêt Lévert de 1986. Et plusieurs affaires plus récentes lui ont donné l'occasion d'insister sur cette caractéristique constitutionnelle de la construction européenne. En tant qu'union de droit, l'Union est fondée sur les valeurs de démocratie, de l'état de droit et du respect des droits fondamentaux. Ces trois valeurs sont inextricablement liées. Un état de droit est inconcevable sans démocratie, et une démocratie est inconcevable sans protection des droits fondamentaux. Dans la promotion de cette union de droit, la Cour de justice joue un rôle fondamental. Ceci explique qu'elle figure depuis le premier jour du processus d'intégration européenne parmi les quatre grandes institutions de cette Union. La Cour assure le respect du droit de l'Union par les États membres qui sont égaux devant la loi et donc uniformément liés par les obligations qui découlent de ce droit de l'Union. Pacta sunt servanda. La Cour contrôle aussi la compatibilité du droit de l'Union avec les traités sur lesquels l'Union est fondée, y compris avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est le contrôle de constitutionnalité. Ainsi que la Cour l'a souligné dans l'arrêt Lévert en 1986, ni les États membres de l'Union ni ses institutions n'échappent au contrôle de la conformité de leurs actes aux traités fondateurs de l'Union. La mission fondamentale de gardienne de l'état de droit, assurée par la Cour au cours des différentes phases du processus d'intégration européenne, a évolué matériellement
au fil du contenu de ces différentes phases. Et le président Jean-Marc Sauvé, ce matin, à la fin de notre première séance de travail, l'a aussi souligné. On ne s'est pas concerté, donc c'est un parallélisme de vues. Au cours des 30 premières années qui ont suivi la signature des traités de Rome, la Cour a rendu des décisions principalement dans des affaires économiques. Toutefois, cela ne signifie pas que l'importance de la jurisprudence de la Cour durant cette première période doive être sous-estimée. Au contraire, quel eût été le droit des communautés sans les arrêts de 1963 et de 1964? Telle est la question que posait Robert Lecour, un de mes prédécesseurs en qualité de président de la Cour de justice, dans un article publié en 1991. Ayant lui-même siégé dans les deux affaires Van Gent en Loos et Costa contre Enel, il a imaginé une version alternative de ce qu'aurait été la construction européenne si ces deux arrêts n'avaient jamais été rendus. Dans cette union alternative, les particuliers n'auraient pas été les acteurs de la construction européenne, puisque les juridictions nationales n'auraient pas été considérées comme les juges de droit commun de l'Union. L'absence des principes d'effet direct et de primauté du droit de l'Union aurait entraîné le déclin de la procédure préjudicielle, rendant utopique l'application uniforme du droit européen. Robert Lecour en a conclu que le traité de Rome aurait été, je cite, « un simple traité de commerce comme il en est tant », ramenant ainsi l'idée d'une communauté des peuples et d'États dotée d'institutions et d'attributions propres sous la garantie d'un véritable État de droit au rang de mythe. Fin de citation. Heureusement, la Cour a très tôt, tant dans ses importants arrêts Van Gent en Loos et Costa contre Enel, souligné le caractère sui generis des traités de Rome, en affirmant qu'ils avaient créé un ordre juridique nouveau dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants. Le principe de l'autonomie du droit de l'Union, confirmé à plusieurs reprises par la Cour, constitue une expression du caractère central des droits des individus dans le droit de l'Union. Les arrêts Van Gent en Loos et Costa contre Enel ont ainsi posé les principes constitutionnels sur lesquels est fondé l'ordre juridique de l'Union, à savoir l'effet direct et la primauté du droit de l'Union. Un autre arrêt clé de cette période initiale du processus d'intégration européenne est l'arrêt Cassis de Dijon, dont les faits sont bien connus. Il concernait l'importation en Allemagne d'une liqueur de fruits française, le Cassis de Dijon. Selon la législation allemande, de telles boissons ne pouvaient être mises sur le marché allemand que si leur teneur en alcool, oui, était au moins égale à 25%, condition qui n'était pas satisfaite par le produit français. Jusqu'à l'arrêt Cassis de Dijon, la Cour de justice avait généralement analysé de telles situations sous l'angle de la discrimination entre les biens importés et les biens issus de la production nationale. En l'espèce toutefois, la Cour a considéré que la loi allemande en cause était contraire au principe de la libre circulation des marchandises, au motif que le produit français, alors qu'il avait été légalement fabriqué et commercialisé en France, ne pouvait être mis sur le marché en Allemagne. L'importance de cet arrêt, qui par la suite a été précisé et raffiné, notamment par l'arrêt Keck et Mitouard, réside dans le fait qu'il a établi pour la première fois le principe de reconnaissance mutuelle selon lequel tous les produits
qui satisfont aux conditions requises pour être légalement commercialisées dans un État membre doivent pouvoir être commercialisées dans tous les autres États membres. Ce changement radical d'approche dans la jurisprudence de la Cour, approche de la libre circulation imprimée par de la libre circulation, a sans aucun doute facilité l'établissement du marché intérieur sous sa forme actuelle. Depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire une deuxième période, si vous voulez, de 30 ans, la Cour a été appelée à examiner des questions plus complexes et socialement plus délicates. Tout d'abord, la généralisation du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil a conduit à des recours en annulation plus fréquents, introduits par des États membres ayant voté contre une mesure adoptée par le Conseil. Je me réfère par exemple aux affaires Slovaquie contre Conseil et Hongrie contre Conseil, actuellement pendantes devant la Cour et mettant en cause la légalité du plan européen de répartition de la prise en charge des demandeurs d'asile. Ensuite, la Cour de justice a eu à connaître de plusieurs affaires touchant directement aux valeurs de démocratie, de l'état de droit et du respect des droits fondamentaux. Ainsi, dans l'affaire Delvigne, du 6 octobre 2015, donc tout ça est récent, la Cour a été saisie par un tribunal français d'une question portant sur l'interprétation de la valeur de démocratie. Une telle affaire n'aurait pas été concevable pendant les 30 premières années de l'intégration européenne, puisque le traité CE ne comportait aucune référence au principe démocratique. Ce n'est qu'avec le traité de Lisbonne, comme vous savez, que le titre 2 a été ajouté au traité sur l'Union européenne sur les principes démocratiques de l'Union. Monsieur Delvigne, ressortissant français résidant en France, avait été condamné à 12 ans d'emprisonnement pour un délit très grave, un crime. Le droit pénal français prévoit, dans une telle hypothèse, la privation du condamné de son droit de vote. Après avoir relevé que les dispositions pertinentes du droit français mettaient en œuvre le droit de l'Union au sens de l'article 51, paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux, la Cour a jugé que la législation française en cause constituait une restriction à l'exercice du droit de vote aux élections du Parlement européen, droit découlant de l'article 39, paragraphe 2 de la Charte, qui se réfère à la notion de suffrage universel. La Cour a toutefois conclu que cette restriction était justifiée, étant donné qu'elle était prévue par la loi, respectait l'essence du droit du citoyen, poursuivait un objectif légitime et satisfaisait au principe de proportionnalité. Cela étant, l'arrêt Delvigne marque une évolution importante de la jurisprudence, notamment en ce qu'il a rendu explicite le lien qui existe entre la citoyenneté de l'Union et sa gouvernance démocratique. La citoyenneté de l'Union a fait l'objet d'une jurisprudence abondante ces dernières années. La Cour de justice a, à diverses occasions, souligné que, je cite, « le statut de citoyen de l'Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres ». Les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne donne aux citoyens de l'Union le droit de circuler et de résider librement dans l'Union si certaines conditions sont satisfaites, ainsi que le droit d'être accompagnés par les membres de leur famille proche. Cependant, le droit de l'Union n'octroie en principe pas le droit de séjour aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union dans l'État membre dont ce citoyen est ressortissant. Vous voyez là la répartition de compétences des États membres pour leurs propres citoyens, le droit de l'Union réglant le statut de citoyen d'État membre dans d'autres États membres. Ça, c'est la prémisse de base. Les situations purement internes sont régies par le seul droit national. Toutefois,
Dans l'affaire Rui Zambrano, la Cour a dû nuancer quelque peu cette prémisse de base. Effectivement, dans cette affaire, la Cour a jugé que la Belgique ne pouvait pas refuser le droit de séjour à un ressortissant colombien qui était le père de deux enfants belges mineurs résidant en Belgique, parce qu'un tel refus risquerait de priver ces enfants de la jouissance effective des droits attachés à leur statut de citoyen de l'Union. En effet, le refus de séjour en Belgique opposé au père aurait pour conséquence d'obliger les enfants belges citoyens de l'Union à quitter le territoire de l'Union vers la Colombie pour accompagner leur père. Cet arrêt a été confirmé à plusieurs reprises par la suite. Dans son arrêt O et B de 2014, la Cour a en outre jugé qu'un citoyen de l'Union qui a construit une vie de famille dans un autre État membre que le sien avec un ressortissant d'un État tiers doit pouvoir continuer cette vie de famille avec cette même personne de l'État tiers lorsqu'il retourne dans l'État membre dont il possède la nationalité, ceci afin d'assurer l'effet utile des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l'Union et donc à la libre circulation. Ces exemples montrent à quel point l'Union européenne d'aujourd'hui revêt une dimension bien plus large que la dimension purement économique de la communauté créée il y a 60 ans. Les règles relatives à la citoyenneté de l'Union s'appliquent indépendamment de toute logique de libre circulation économique. En effet, tant les personnes économiquement actives que les personnes inactives bénéficient des droits issus de la citoyenneté. Pour en venir à une autre évolution, toujours conséquence logique, de cette évolution fondamentale de changement des matières dont s'occupe l'Union européenne, sont les affaires portées devant la Cour de justice dans des domaines très variés, correspondant aux compétences souvent nouvellement acquises les 30 dernières années dont dispose l'Union. Ainsi, la Cour constitutionnelle allemande a posé, pour la première fois, une question préjudicielle à la Cour de justice dans l'affaire Gauweiler, pour pouvoir apprécier la légalité des achats par la Banque centrale européenne des obligations d'État sur le marché secondaire. Dans l'affaire Chess, la Cour a eu à se prononcer sur la question de savoir si, sur le fondement du droit de l'Union, les citoyens d'un État membre pouvaient enjoindre à une centrale nucléaire d'un autre État membre de cesser ses opérations ou d'effectuer des travaux d'aménagement en vue d'augmenter la sécurité. En outre, de nombreuses affaires d'asile ont été jugées par la Cour ou sont pendantes devant elle. Pour ceux qui assistent donc à l'audience de Grande Chambre demain, vous aurez une autre illustration de cette matière. La Cour de justice est aussi régulièrement saisie de demandes d'interprétation du droit de l'Union relatives au mandat d'arrêt européen qui constitue la pierre angulaire de la coopération policière et judiciaire entre les États membres dans le domaine de la lutte contre la criminalité. Certains affirment que la Cour de justice serait trop puissante, qu'elle prendrait position dans des débats de société délicats. La Cour n'a pourtant pas d'agenda. Elle n'est pas pro-État membre ou pro-Union. La Cour de justice est pro-droit. La Cour n'intervient pas dans les débats publics et se limite à juger les affaires qui sont portées devant elle par des partis ou des juridictions nationales habilitées à le faire. La Cour est et reste une juridiction. Elle ne peut et surtout, elle ne veut pas se substituer aux législateurs. La Cour exerce cependant un contrôle plus strict lorsqu'elle est appelée à examiner un acte législatif de l'Union ou d'un État membre relevant du champ d'application matériel du droit de l'Union
et qui porte atteinte à un droit fondamental. En effet, le droit dont la Cour de justice assure le respect comporte non seulement les traités de l'Union et les dispositions adoptées par les instances politiques de l'Union, mais aussi la Charte des droits fondamentaux de l'Union, qui a la même force contraignante que les traités eux-mêmes. Ainsi, dans l'affaire Digital Rights Ireland, la Cour a invalidé une directive européenne qui obligeait les fournisseurs de services de communication électronique à garder en vrac les métadonnées associées à de telles communications. Cette directive comportait, selon la Cour, une restriction disproportionnée au droit à la vie privée et à la protection des données personnelles, notamment parce qu'elle omettait de déterminer les conditions dans lesquelles les autorités nationales pouvaient obtenir l'accès à ces données. De même, la lutte contre le terrorisme justifie évidemment des restrictions au droit à la vie privée et à la protection des données personnelles. Mais ces restrictions doivent rester proportionnées à l'objectif poursuivi. La Cour de justice assure le strict respect des dispositions de la Charte des droits fondamentaux, même en temps de terreur, parce que ces droits sont les fondements mêmes de notre société occidentale. L'arrêt Schrems, rendu dans la célèbre affaire Facebook, illustre cette approche de la Cour. L'affaire avait trait au transfert des données des abonnés de Facebook se trouvant sur des serveurs irlandais vers des serveurs situés aux États-Unis. Dans son arrêt, la Cour a invalidé la décision de la Commission européenne qui avait constaté que les États-Unis garantissaient un niveau de protection adéquat, safe harbor, pour le traitement des données personnelles. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non seulement aux institutions et organes de l'Union, mais aussi aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. La Cour applique le même standard de contrôle de légalité lorsqu'elle examine la compatibilité des mesures de l'Union ou de mesures nationales avec la Charte des droits fondamentaux. Les arrêts Cadi et ZZ illustrent ces propos. L'affaire Cadi portait sur une mesure restrictive de l'Union européenne qui gelait les fonds d'un présumé terroriste. L'affaire ZZ portait sur une mesure nationale par laquelle un ressortissant d'un État membre, qui était également un ressortissant d'un pays tiers et qui avait un permis de séjour dans un autre État membre, a été éloigné de cet autre État membre pour des motifs de sécurité d'État. La Cour a jugé dans les deux cas, et donc indépendamment de l'origine de la mesure Union ou État membre, que les droits de la défense de l'intéressé devaient être respectés. Il est vrai que la divulgation d'éléments de preuve peut, dans certaines circonstances, comporter des risques pour la sécurité de l'État, voire mettre en danger la vie d'une ou plusieurs personnes. La preuve qu'une personne a un lien avec une organisation terroriste peut, par exemple, ressortir d'un échange d'e-mails avec un agent secret. La jurisprudence de la Cour est sensible à cette problématique et n'exige pas qu'un présumé terroriste ait toujours accès à l'ensemble des éléments de preuve. Mais le respect des droits de la défense exige qu'une personne dont les fonds sont gelés ou qui est éloignée du territoire d'un État membre dans lequel elle bénéficie d'un permis de séjour doit toujours connaître les griefs sur lesquels la mesure est fondée. Mesures individuelles, communication des greffes, possibilité de se défendre. Surtout, ces dernières jurisprudences tranchent d'une manière assez importante avec ce qu'on vit maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une petite footnote. Depuis quelques années, l'Union européenne est confrontée à de nombreux défis, telles que les répercussions de la crise financière ainsi que de la crise des réfugiés, la résurgence du terrorisme et la sortie prochaine de l'Union de l'un de ses États membres. Le populisme progresse et les valeurs d'ouverture et de tolérance sur lesquelles est fondée l'Union sont menacées.
Il est donc particulièrement important de rappeler aujourd'hui, à l'occasion du 60e anniversaire des traités de Rome, ce que la construction européenne a apporté au cours des 6 dernières décennies. En 1957, l'Europe se remettait à peine des ravages de la guerre la plus meurtrière de l'histoire et de nombreuses nations européennes étaient encore sous le joug de dictatures. Le génie des pères fondateurs de l'Europe a été de se focaliser sur ce qui était réalisable, en établissant d'abord une communauté pragmatique et efficace, fondée sur l'intégration économique des marchés nationaux, la libre circulation des travailleurs, des biens et des services, les pères fondateurs ont posé les bases de l'approfondissement et de la prospérité de la communauté économique, alors embryonnaire. Notre union s'est depuis lors agrandie, tant sur le plan géographique que par l'accroissement de ses compétences, conformément à l'esprit du traité établissant la Communauté économique européenne, dont le préambule exprimait, dès 1957, la détermination de ses signataires à établir, je cite, « les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ». Cet accroissement des compétences de l'Union a été réalisé à tous les stades avec le consentement des États membres, car ces derniers ont compris que la mise en commun d'une plus grande partie de leur souveraineté permettait d'améliorer la vie de leur population. Le meilleur antidote contre le populisme est de réaffirmer notre attachement à cette Europe ouverte et tournée vers l'avenir. La Cour, en coopération étroite avec les juridictions nationales représentées et ici présentes, a joué un rôle essentiel dans le développement et le respect des droits fondamentaux, ainsi que des valeurs de démocratie et de l'état de droit sur lesquels l'Union européenne est fondée. La Cour continuera à être le garant de ces droits et valeurs, en jugeant chaque affaire en toute objectivité et en refusant de céder au chant des sirènes qui nous invite, en réponse aux défis auxquels nous sommes confrontés, à recourir à des expédients qui menacent en réalité nos valeurs communes. Permettez-moi de profiter de l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui pour réaffirmer, au nom de la Cour et de l'ensemble de ses membres, notre engagement infaillible à continuer à remplir notre devoir, je cite, « d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités, tout comme l'article 164 du traité établissant la Communauté économique européenne avait, en 1957, appelé nos prédécesseurs à le faire. » Je vous remercie et je passe maintenant la parole à M. Mark Jaeger, président du Tribunal de l'Union européenne, qui exposera l'apport du Tribunal à la construction européenne. Merci. Monsieur le Président de la Cour, Mesdames, Messieurs les Présidents des Cours constitutionnelles et des Cours suprêmes, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers collègues, en 1957, à l'heure où les plaies de la Seconde Guerre mondiale se refermaient à peine, il est fort peu probable que les signataires des traités de Rome aient imaginé que quelques 60 ans plus tard, donc aujourd'hui, le président d'une juridiction de première instance créée en 1989 aurait l'honneur de s'exprimer sur l'apport de cette jeune juridiction à la construction européenne. Mais le rapprochement de ces deux instants, 57 et 89, permet de mesurer le cheminement impressionnant réalisé pas à pas, mais avec constance, par le système institutionnel de l'Union et dont le Tribunal de l'Union européenne est l'une des expressions. Alors, il est indéniable que la Cour de justice a joué un rôle cardinal dans le développement du droit de l'Union
et ceci en étroite complicité avec vous, les juges nationaux, ainsi que M. le Président Lenaerts vient d'en dresser une synthèse éclairante. Pour ce qui est du tribunal, par nature, sa contribution a nécessairement été d'un autre ordre, et ce pour plusieurs raisons. Institué en 89, le tribunal a été l'héritier des jalons historiques posés par la Cour de justice à travers sa jurisprudence depuis l'origine et surtout depuis les 30 premières années, comme vous venez de l'indiquer. À ce jour, le tribunal n'a pas de compétences préjudicielles. Et dans l'architecture juridictionnelle de l'Union, le tribunal est une juridiction de première instance. Néanmoins, la création du tribunal a profondément modifié le visage et le fonctionnement de l'institution judiciaire européenne, avec des conséquences sur l'évolution de la jurisprudence et sur le contenu de droits et de notions propres à l'ordre juridique de l'Union. Avant toute chose, je souhaite revenir peut-être simplement aux origines, à savoir la décision instituant un tribunal de première instance adoptée par le Conseil en octobre 88. Dans ses considérants, cette décision justifiait la création d'une nouvelle juridiction par la poursuite de deux objectifs, qualité et double degré. Le premier de ces objectifs visait à maintenir la qualité et l'efficacité du contrôle juridictionnel en permettant à la Cour de justice de se concentrer sur sa tâche essentielle, à savoir assurer une interprétation uniforme du droit qui à l'époque s'appelait le droit communautaire. Alors, pour réducteur qu'il puisse paraître, ce premier objectif n'en reste pas moins d'un pragmatisme légitime. Et c'est parce que le tribunal s'est, dès les premiers jours, acquitté avec succès de sa mission initialement limitée au contentieux de la fonction publique et de la concurrence, qu'au gré des transferts de compétences successifs, le tribunal est devenu la juridiction généraliste que nous connaissons et qui lui vaut l'appellation aujourd'hui dans plusieurs langues de tribunal général. Car l'intensification et la diversification de l'activité réglementaire de l'Union ont conduit à une expansion quasi exponentielle en nombre et en variété des affaires portées devant le tribunal. L'on s'imagine ainsi difficilement comment la Cour de justice, composée d'un juge par État membre, aurait pu continuer d'exercer dans de bonnes conditions son office si elle avait dû examiner, instruire et régler les quelque 13 000 recours directs introduits devant le tribunal depuis sa création en 89. Mais au-delà de la répartition de la charge de travail, la dévolution au tribunal de la compétence pour statuer sur les recours directs poursuivait un second objectif, l'instauration, pour les recours nécessitant un examen approfondi de faits complexes, d'un double degré d'instance, de nature à améliorer la protection juridictionnelle des justiciables. Et nous touchons là, je crois, au cœur de la mission du tribunal, laquelle est l'émanation de l'une des valeurs fondatrices de l'Union, telle qu'exprimée à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, à savoir l'état de droit, vous venez de le mentionner, Monsieur le Président, et à l'article 47 de la charte, le droit à un recours effectif. Car sous réserve d'exceptions résiduelles, qui, il faut le reconnaître, ne contribuent pas à la parfaite clarté du système, le tribunal est devenu le juge du recours direct. Il est le juge de la légalité de l'action de l'Union, celui à qui l'administration de l'Union s'adresse directement en vue de faire respecter ses droits. Ce noble office comporte ainsi deux facettes. Garantir à la personne lésée une protection de ses droits subjectifs
par un juge indépendant et impartial. Et par ricochet, garantir que le système institutionnel de l'Union dans son ensemble est fondé sur le principe d'une union de droit et par là même assurer la légitimité de son action. Dans la construction de la Maison Europe en tant qu'organisation, le juge de la légalité est donc en premier lieu celui qui assure ses fondations, ou comme vous les avez qualifiées ce matin, la fondation de la Maison de l'Europe. Dans l'exercice de cette responsabilité, le tribunal n'est toutefois pas seul. Et si vous me le permettez, cela change tout. Car d'un système fondé sur un degré d'instance, la Cour de justice de l'Union européenne est passée avec la création du tribunal à un double degré d'instance pour les recours directs. Alors, au-delà du simple constat que ce deuxième degré d'instance augmente le patrimoine juridique du justiciable, la dualité des acteurs, chacun selon sa partition, génère une dynamique vertueuse que le monopole ne favoriserait pas. Et ce dynamisme vertueux entraîne trois conséquences principales. D'abord, en conséquence de cette scission donc de la compétence de contrôle de la légalité entre première instance et procédure de pourvoi, le tribunal s'est investi de la mission de réaliser un examen approfondi des faits, souvent complexes, soumis à son appréciation. Or, l'appréciation des faits est un art en soi pour lequel le juge de première instance a développé une véritable expertise. Et cette recherche de la vérité factuelle emporte évidemment des complications et des manifestations procédurales propres au tribunal, notamment l'instruction active du dossier, mais aussi l'importance accordée à l'audience. Cette conduite de la procédure, qui constitue en partie l'identité du tribunal, donne l'assurance au justiciable que son cas a été étudié et compris en profondeur, ce qui est un gage d'acceptabilité de la solution donnée au litige, même lorsqu'elle est défavorable. Il est d'ailleurs symptomatique à cet égard que l'une des affaires emblématiques du tribunal, Microsoft contre Commission, réglée en grande chambre, dont les enjeux étaient considérables, n'ait pas donné lieu à un pourvoi malgré le rejet du recours. Ensuite, du fait du double degré d'instance, s'ouvre un champ de contestation et donc de réflexion d'une nature nouvelle et qui vise la question élémentaire de savoir si le juge et non pas seulement l'auteur de l'acte attaqué s'est correctement acquitté de son office. Par un effet réflexe, ceci a eu pour conséquence que le juge de première instance s'impose à lui-même des exigences plus fortes qu'en l'absence d'un deuxième degré d'instance, et ainsi il fait surgir, sur pourvoi, des questions fondamentales qui n'auraient peut-être pas été débattues autrement. C'est très certainement la raison pour laquelle on observe une grande sensibilité de la part du juge de première instance à l'égard des droits procéduraux, et en particulier le principe du contradictoire et un souci prononcé d'asseoir ses décisions sur une motivation détaillée, qui leur vaut d'ailleurs parfois, malheureusement, la critique d'être des décisions trop longues. Mais c'est aussi la raison pour laquelle les problématiques fondamentales liées à la nature du contrôle du juge, contrôle entier, contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, pleine juridiction, réformation. Donc, les problématiques fondamentales du contrôle opéré par le juge ont trouvé leur essor depuis l'institution du tribunal. Enfin, le contrôle judiciaire à double détente
a pour effet naturel et bénéfique de conduire à une décantation des litiges, permettant de faire émerger les problématiques juridiques essentielles et structurantes de l'ordre juridique. Le juge de première instance joue dans ce cadre un rôle d'éclaireur, de défricheur et parfois de pionnier. Il pose les premiers jalons dans des domaines nouveaux et inexplorés. Et dans des domaines déjà balisés, il fait bouger les lignes lorsque l'évolution du contexte socio-juridique semble l'exiger. Par la mécanique du pourvoi, qui débarrasse le litige des éléments de fait et assure un effet d'entonnoir, le juge de pourvoi se trouve alors saisi des questions les plus fondamentales et il peut, avec tout le recul nécessaire, confirmer, affiner ou réorienter l'approche suivie par le juge de première instance. Cette interaction aboutit à un équilibre entre la sécurité juridique d'une part et la capacité d'adaptation à l'évolution de la société d'autre part. Les illustrations de la contribution du tribunal à l'évolution de la jurisprudence sont innombrables et ne saurait en être dressé un bilan complet en quelques mots ici. Toutefois, j'estime que l'injustice de n'en citer aucune est plus grande que celle de n'en citer que quelques-unes, donc permettez-moi de vous en présenter une sélection. Alors, en premier lieu, le tribunal, dans son rôle de facteur déclenchant des évolutions jurisprudentielles vers une plus grande protection du justiciable dans des domaines déjà balisés. Ici, le tribunal a été, avec les affaires polypropylènes, dès les premiers jours à l'origine de développements majeurs, octroyant aux entreprises poursuivies par infraction au droit de la concurrence l'accès aux dossiers constitués par la Commission en vertu du respect des droits de la défense. Par ailleurs, c'est la constatation faite par le tribunal dans les affaires dites Treuilly-Soudet, selon laquelle il serait souhaitable que les entreprises puissent connaître en détail les modalités de calcul des amendes qui a conduit la Commission à adopter des lignes directrices en la matière qui lui sont aujourd'hui opposables. De la même manière, les annulations dans les affaires Ertour, Schneider et Tetra Laval ont donné le diapason du standard de preuve requis en vue d'interdire une opération de concentration et ils ont entraîné une restructuration administrative des services de la commission compétente. Plus récemment, avec les affaires Van Breda, c'est le régime des référés en matière de marché public qui a connu, sous l'impulsion du tribunal, une réorientation notable visant à conférer aux soumissionnaires évincés une protection provisoire effective par le biais d'un assouplissement de la condition relative à la démonstration de l'urgence, condition établie depuis l'origine de la jurisprudence. Enfin, on ne saurait omettre la fameuse affaire Jaeger-Quéret. Encore une fois, en vue de sauvegarder le droit à une protection juridictionnelle effective, le tribunal avait opéré un revirement concernant les conditions de recevabilité des recours en annulation introduits par les particuliers contre les actes de portée générale. Revirement revenant sur une jurisprudence relative à la notion d'affectation individuelle vieille de quelque 40 ans. Si cette approche n'a pas été suivie par la Cour, laquelle a considéré que si cette condition ne pouvait être écartée sans que le juge de l'Union n'excède ses compétences, la Cour a néanmoins implicitement à cette occasion appeler les États membres à réformer le traité sur ce point et ce fut chose faite à l'occasion du traité de Lisbonne.
En second lieu, le tribunal a joué un rôle de pionnier dans un nombre important de nouveaux domaines contentieux, dans lesquels il fut par nature, en tant que juge de première instance, le premier à poser les jalons ou à tout le moins à réellement façonner le corpus jurisprudentiel. Il en est ainsi, par exemple, du contentieux de l'accès aux documents dans le cadre duquel les nombreux arrêts du tribunal, dont l'arrêt de grande instance API, ont été à l'origine d'une interaction répétée avec le juge du pourvoi. Cette interaction a conduit à l'établissement d'un régime complet assurant un équilibre entre le principe du droit d'accès et la protection des données personnelles. Il en est encore ainsi également du contentieux de la propriété intellectuelle, initialement limité à la marque, mais s'étendant désormais aux obtentions végétales et aux dessins et modèles. Dans ce cadre, le tribunal a été amené à clarifier des questions essentielles, telles que la consistance du pouvoir de réformation, l'autorité de choses jugées des jugements nationaux, et l'autolimitation de l'Office par sa propre pratique administrative. Dernier domaine, il en est ainsi enfin du contentieux des mesures restrictives, dont l'exploration a été entièrement réalisée par le tribunal. En ce qui concerne charges et standards de preuve, droit de la défense, obligation de réexamen, étendue du contrôle, modalités de notification, effet dans le temps, statut des autorités des États tiers, et j'en passe, mais autant de questions que le juge de première instance a dû régler avec cohérence et détermination. Encore une fois, l'interaction avec le juge du pourvoi a permis d'établir un équilibre entre l'effectivité de l'action légitime de l'Union dans le cadre de la PESC et la protection des droits fondamentaux des personnes. Cette recherche d'équilibre a trouvé son expression la plus raffinée dans la conciliation entre la sauvegarde du principe du contradictoire, vous l'avez abordé, Monsieur le Président, et le nécessaire traitement confidentiel devant le juge des renseignements ou pièces touchant à la sûreté de l'Union ou de ses États membres, pièces sur lesquelles se fondent les mesures restrictives attaquées. Cette conciliation a exigé, dans le prolongement des considérations développées par la Cour dans CADI 2, la rédaction d'un article entièrement nouveau du règlement de procédure du tribunal, établissant, je crois, un régime complet et spécifique concernant le traitement de ces pièces. L'inventaire, je pourrais le mener encore à longtemps et à envie, que ce soit en matière d'aide d'État, santé publique, environnement, droits bancaires et financiers, ou même les droits attachés à la citoyenneté européenne que vous venez de mentionner. Mais il en ressortirait, à mon avis, toujours le même constat. Dans son rôle de juge de première instance des recours directs, le tribunal de l'Union européenne a grandement contribué à doter l'Union d'un contrôle juridictionnel de la légalité à la hauteur de ses ambitions. Ce système juridictionnel est fondé sur une exigence, la qualité de la justice, corollaire du droit à une protection juridictionnelle effective. Cela implique un contrôle approfondi en fait et en droit, mais aussi des décisions claires, cohérentes et motivées, assises sur l'autorité que confère la collégialité. La récente réforme de l'architecture juridictionnelle de l'Union témoigne d'ailleurs de l'importance accordée par le législateur à la mission assumée par le tribunal. Il ne fait pas de doute que, et ce n'est pas un jeu de mots, le tribunal redoublera d'énergie et de volonté pour mettre sa nouvelle organisation au service du justiciable
et d'une union fondée sur le respect de la règle de droit et des valeurs démocratiques. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président Jaeger. Et je me tourne à présent vers Monsieur Paolo Grossi, président de la Cour constitutionnelle d'Italie, qui nous exposera le point de vue d'un État membre fondateur sur l'évolution qu'a connue la construction européenne depuis la signature des traités de Rome. C'est à vous. Cher président de la Cour de justice, avant tout un remerciement très vif pour la très aimable invitation et aussi mes compliments les plus sincères pour l'organisation, parfaite organisation, de cet important séminaire congrès. Permettez-moi de lire en français le texte d'une intervention sur un objet spécifique, c'est-à-dire l'influence du droit européen sur le développement du droit italien, les droits de la République italienne. Soyez tranquille, je serai très bref. À partir de la moitié du XIXe siècle, se développe un droit italien, constitutif de l'ordre juridique du royaume de l'Italie unitaire, suivant les critères propres à l'ère européenne des droits civils, critères qui ont trouvé dans la France napoléonienne un modèle plutôt rigide, fondé sur la primauté indiscutée du pouvoir législatif, sur la production du droit par l'État, sur l'identification du droit dans un ensemble de lois ainsi que sur une rigoureuse hiérarchie des sources. Témoin de ce mouvement de fond est le choix de codifier, c'est-à-dire de réduire à système fermé et cohérent de normes, les codes, des branches importantes de l'ordre juridique, comme les droits civils, les droits commerciaux, les droits procédural civils, les droits pénals et les droits procédural pénals. Bien que traversant un moment de fort libéralisme économique, c'est à cette époque que se concrétise un véritable absolutisme juridique. Durant le XXe siècle, siècle de la postmodernité, cet enfermement apparaît toujours plus oppressif au regard des mouvements et des mutations rapides et intenses qui caractérisent la pratique et la théorie du droit en Italie. Nul doute que pour dépasser une vision strictement étatique et légaliste, lié au positivisme juridique alors dominant tant au sein des théoriciens qu'au sein des praticiens, la participation convaincue de la République italienne, tout d'abord à la construction d'un marché commun européen, ensuite à la construction d'une communauté économique et enfin à la construction d'une union politique et juridique, s'avéra fort utile. En effet, dans l'Europe en construction, face à l'effort difficile d'harmonisation de l'unité avec les diversités propres à chaque pays, les rôles très actifs joués par la Cour de justice à partir de la fin des années 60, a été particulièrement instructif. Ce fut en 1969, avec la décision Stauder, que celle-ci s'est reconnue investie de la fonction de définir et de protéger, ce sont les paroles de la décision, ces droits fondamentaux de la personne
qui font partie des principes généraux du droit communautaire, en focalisant l'attention sur la couche profonde de l'ordre juridique européen où les valeurs deviennent principes et où les principes permettent la reconnaissance des droits fondamentaux. Depuis lors, le droit européen s'est transformé en un droit de nature surtout jurisprudentielle, au sein duquel un tribunal suprême résidant à Luxembourg opérait une lecture des racines de l'ordre juridique, interprétait et identifiait les droits du citoyen européen. Tout ceci, qui en Europe dépassait des certitudes positivistes et désuètes, eut aussi des répercussions considérables en Italie, notamment au cours des deux dernières décennies du siècle passé. On comprit alors que des normes trop rigides et trop détaillées risquaient d'être rapidement dépassées et que correspondait davantage à l'époque l'effet de fixer des principes qui, du fait de leur grande élasticité, aurait constitué un instrument souple entre les mains des interprètes et surtout des juges. En Italie, il faut signaler que le législateur, qui tend à offrir des principes et à légiférer en principe, a lui-même un tel comportement. L'ainsi nommé Code du procès administratif, adopté en 2010, qui n'est pas véritablement un code, mais plutôt un ensemble harmonieux des principes qui attendent d'être concrétisés par les juges grâce à leur application aux différents cas d'espèce, en est un exemple important. Pour ma part, je crois fermement que le modèle essentiellement jurisprudentiel propre au droit européen, dans son acception la plus mature, a beaucoup contribué à un tel développement du droit italien. Merci. Merci, Monsieur le Président Grossi. Et je cède maintenant la parole à Monsieur Rimvydas Norkus, président de la Cour suprême de Lituanie. Your Excellency, President of the Court of Justice of the European Union, members of this court, their presidents of Supreme and Constitutional Courts of the Member States, their colleagues, it is a great honor for me to be invited to speak today before such a distinguished audience on the day we mark the 60th anniversary of the Treaty of Rome. But let's look back into history. 6 December 1956. Blood in the water. The Hungarian water polo team defeats the USSR in the semifinal at the Melbourne Olympics. However, 1 month earlier, Soviet troops and tanks in Budapest strangled the Hungarian uprising. A little bit more to the east. At the beginning of 1950s, somewhere in deep forests of Lithuania stood a bunker. Young men, Lithuania's partisans fighting against Soviet occupation, gathered and dreamed about free and independent homeland, which they will win with the help of Western allies landing on the beautiful seashore of our small country. The next day, they were caught and executed by Soviet agents. So in 1957, there were not many discussions about economy and markets in Eastern and Central Europe. Well, in fact, at that time, many countries of this region already had a single market, a kind of single market. Market of oppression, one ideology, fake news and alternative facts, such as stating many
human, political, and other rights in the Constitution, but giving almost none of them in reality. However, there were many citizens in those countries who still had a vision. Vision which very much also drove the founding fathers of the European Union. Vision of a modern democratic state based on the rule of law, which is able to live in peace with the neighbors without building walls against them. Vision of state protecting human rights and liberty and able to prosper by trusting, not humiliating its citizens and neighbors. Without these citizens, I doubt I would stand here today in front of you. So we Eastern and Central Europeans, first of all, owe very much to our citizens, less to markets. So I do not feel very confident to speak about transformation of the European Union through 60 years. My homeland, together with 9 others, 7 of which were also from Central and Eastern Europe, joined the EU almost 13 years ago. Later in 2007 and 2013, 3 more countries from this region acceded to the Union. I am not sure whether we, the newcomers, share the same memories about the start of our common journey in the Union. But transformation of the EU from economic communities to a more political union with a citizenship having some real substance was far from primary concern of Lithuanian judiciary on the 1st May 2004, when we finally could proudly say, I am a citizen of the European Union. The Union was created by law, the Treaty of Rome, to commemorate which we gathered here today. Union was not only created by law, its life is law. It is ruled and integrated with the help of the law. So huge amount of new rules, acquis communautaire, were transferred to the new member states during the preparation for membership. Many of them, without any discussion or consideration, by simple translation, were converted into national laws, even when an instrument allowed to look for different choices. It is true that some EU rules can be integrated, adapted to the life of a country by taking into account institutional structures, legal culture, and peculiarities of the legal system. But for new democracies, that was in many respects a mission impossible. Now we sometimes hear voices, give us our rights back. But I am not sure whether they have ever been taken away, especially when every member can participate in creation, implementation, and enforcement of them. New rules, of course, were expected to have a huge transformative integration through law power on national legal culture, on daily life of citizens and working practices of the judiciary. And I'm sure it had, at least some. With 15 years of continuous legal reforms of smaller and larger scale after the fall of communism, judiciary became more adaptable to new changes, both with negative and positive implications. Judicial independence is a prerequisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial. Judges are charged with the ultimate decisions over life, freedoms, rights, duties, and property of citizens. Their independence is not a prerogative or privilege in their own interest, but in the interest of the rule of law and of those seeking and expecting justice. Independence is a key requirement for mutual trust, the bedrock upon which EU justice policy should be built. Judicial independence begins with an independent and impartial individual judge. Such a judge is not afraid of new challenge in a form of new legal order which she will have to implement. Such a judge is simply resolved to learn and improve for entire professional life. Such a judge has enough self-confidence and self-respect not to feel inferior to others. Such a judge has competence and abilities, personal strength and courage to resist choosing the easiest path and refuses to close the eyes to the law when she feels that it's threatened. Even if later such a judge is downgraded to so-called judge and her judgments is described as ridiculous. If we look
At the number of preliminary references sent to the Court of Justice from the new member states, we see that the highest judicial authorities do not dominate the scene. In many jurisdictions, it is even the lower courts that are more active. It seems the story has begun with a judgment in Cartesio case from Hungary. In 2008, Grand Chamber ruled that the decision of national court to make a reference to the Court of Justice cannot be overruled by the higher court. But that was only the beginning of the story. In Elshinov case brought before the Court of Justice by Bulgarian court, the Grand Chamber ruled in a case referred back that in the case referred back to the lower court by a higher court, the lower court was not bound by the instructions of the higher court if it considered, having regard to the interpretation which it has sought from the Court of Justice, that these instructions are inconsistent with the European Union law. In Križan case, this time from Slovakia, Grand Chamber ruled that a national procedural rule cannot call into question the discretion of national courts to submit a request to the Court of Justice for a preliminary ruling in cases where they have doubts as to the interpretation of EU law. The national court retains that option, even though a national rule obliges it to follow the legal position of the Constitutional Court, the issue which we touch upon today. In 2016, in Ognjanov case, once again from Bulgaria, the Grand Chamber ruled that the EU law must be interpreted as precluding a national rule which is interpreted in such a way as to oblige the referring court to disqualify itself from a pending case on the ground that it set out in its request for a preliminary ruling the factual and legal context of that case. The Court of Justice found that in Bulgarian legal system, the presentation by a Bulgarian judge in a request for a preliminary ruling of the factual and legal context of the case at issue in the main proceeding is deemed to be the expression by that judge of a provisional opinion, which entails not only that the judge is disqualified and his final judgment set aside, but also that an action for damages will be brought against him for a disciplinary offense. The court stated that such a rule is detrimental to the prerogatives granted to national courts and to the effectiveness of the cooperation between the Court of Justice and national courts established by the preliminary ruling mechanism. As seen from the above, strengthening the role of each and every judge of the new member states was very much an issue for new member states. It is for us, first of all, to prudently exploit fruits of this emancipation. This case law not only fosters individual independence of judges, it brings possibility to protect rights granted by EU law at a much higher level. Concrete examples prove that we very rightly were taught before the accession that from now on, regardless of our position on the field of adjudication, judges are one of the key players in the process of application and enforcement of EU law and the process of the EU integration in general. All national courts are core enforcers of the rights and obligations individuals derive from the EU law, sometimes even at the expense of a hierarchical structure or authority of higher courts. But judicial hierarchy cannot be a tool for suffocating judicial independence. We Central and Eastern European judges might still remember why this is so important. A judge is, in the performance of her functions, no one's employee. She's a holder of a state office. She's a servant of and answerable only to the law. With a changing role of courts and increasing expectations of society, with the growth of legal pluralism, no longer formally binding empowerments matter most. Respect and authority now is mostly earned by ability to hear and reply, to reason and explain, not because you speak in the name of a sovereign. The courts are expected to participate in the process of legal integration within the EU through the preliminary ruling mechanism. First attempts for a dialogue and cooperation with the Court of Justice from the new member states were not successful and, according to some commentators, even chilling. The decision of the Grand Chamber in Inos case from Hungary that court lacks competence because the facts of the case in the main proceedings preceded new member states' accession was a surprise for some.
However, first unsuccessful encounters of national judges with the court could not and did not stop the courts of new member states from grasping and fully employing the potential of preliminary ruling procedure. One of the first Polish referrals to the court from the court of Koszalinie in Koszalin in Nerkowska case directly touched on one of the essential rights of EU citizens, the right to move and freely reside within the territory of the member states. The judgment of the court confirmed new age of rights for citizens of new member states has commenced. Soon courts of new member states became intensively involved in drawing the borders and guidelines for evolution of EU law. Questions from new member states may now make a huge impact on the status and rights of EU citizens. When his extradition is requested by the third state, like there was a case in Petruchin case from Latvia, when a person has to climb 6 or 7 meters in order to check electricity meter, like it was in Chess case from Bulgaria, when his privacy rights may be violated by a safety camera installed on a private home, Rinesh case from the Czech Republic, when evidence obtained in criminal procedure is used in the context of administrative tax proceedings, WebMind licenses case and from Hungary, and so on and so forth. The judgments of the Court of Justice on the first request from Poland, Romania, and Lithuania laid down some guidelines, but left to establish or examine certain aspects of a case to the referring national courts. Well, we know that the court interprets EU law, national courts apply it, but the dividing line is rather thin. The court may interpret the law in such a way as there will be nothing to apply, just to enforce. Sometimes we are even happier with such answers than the ones which you have to read 3 times and still are not sure whether you got it right. I cannot say for sure that previously mentioned examples prove that the court did not share skepticism hanging in the air before the big bang of the EU, that the courts of new member states might not cope with the effective application of EU law, or that the court started dialogue with the newcomers on a premise of some trust that the latter will be able to apply general principles of EU law and to see more than just the letter of a legal text. The trust, in fact, can motivate and stimulate to do an entrusted job right. We must not be afraid of participating in shaping union legal order and taking part in the construction of EU, articulating the rule of law. It gives strength to the union when we can mold EU law to the peculiarities and sensitivities of our legal system. Well, it is true that in socialist legal tradition, which permeated almost all new member states, formalism and textualism prevailed application of law in courts. Employment of different methods of interpretation and argumentation, for example, teleological one, was very much unthinkable, at least in the last decades of Berlin Wall. The concepts of legal pluralism, discretion, and its limits were unknown for many. But I do not think that after the fall of a Soviet empire and more than 10 years of extensive legal reforms, trainings, meetings, twinning projects, situation in the judicial systems of the new member states was much worse than in the old member states, especially if to compare with the situation when the latter joined the union. We can show examples of working with the soft law and other non-binding but persuasive sources, applying different methods of argumentation, comparative, teleological reasoning, and securing the fundamental principles underpinning the EU legal order. Some recent empiric research showed, for example, that Polish judges consider themselves to be more knowledgeable about EU law than German and Netherlands judges. Yes, we still have to fight with negative form of textualism when the court asks or refuses to do something by merely citing legal provisions or abstract legal principles. But we see judgments from the European Court of Human Rights against old member states condemning them too of so-called formalisme excessif. Yes, due to the increasing role of case law,
instigated in some new member states by constitutional courts, we face a problem of case positivism when decisions are reasoned by extracts from previous judgments, sometimes even from Court of Justice, even in cases having not so much in common. But I cannot say that textualism still governs legal culture and thinking in new member states to such an extent that significantly impedes practical effectiveness of EU law. I personally do not see any problem in sticking to the text of legal provision or principle of deduction when it gives just and prudent result in a case. My speech today may seem over-optimistic. Well, we Lithuanians usually are not very optimistic. Of course, I know there are and there will be a lot of points to disagree, mistakes and failures, sincere and tactical accusations, exclusive attachment to national law, impression that there is no answer or that the proposed answer is wrong. But according to the Eurobarometer, somehow we Lithuanians very much believe in the European Union and its future. Today I just want to be proud of what the European project and we achieved in 13 years. I think it is sometimes good to see some rays of light between the gathering storm clouds, both from west and east. Henry Ford once said, "Whether you think you can or you think you can't, you are right." I think, yes, we can. We can see 60 more years of success of the European project, helping us to live in peace, security and prosperity. Everything depends on and depends to our citizen. History of my country shows that if we let disagreements prevail, there will be always somebody waiting for a moment to deny the citizens of her freedoms and dignity. We all together must sometimes stop a bit, remember, understand, and with new passion protect the values on which our union was built and stands for 60 years. Thank you for your attention. Thank you very much, President Norkus. It's a very beautiful final speech for our event. Ceci nous amène effectivement à la fin de notre cérémonie. Mais avant de vous inviter à une réception dans la salle des pas perdus, je vous invite maintenant à vous lever parce que la chorale de la Cour et la chorale de l'Union européenne vont exécuter donc l'hymne européen. Ils entrent là.